Nous sommes le lundi 18 janvier 2016. Et je crois que c'est le vlog 92. Du coup, j'ai pas fait de vlog samedi et dimanche. C'était hier et avant-hier. Parce que j'ai pas fait énormément de choses, donc j'ai filmé un peu ce que j'ai fait. Mais je trouvais ça plus intéressant de tout mettre lundi en fait. Parce que je sais pas si je vais faire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je vais vous raconter mon week-end. Samedi, je suis allée à Bercy Village, à Animalis, l'animalerie qu'il y a là-bas, pour essayer de trouver des kilis. Parce qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait des poissons qui s'appelaient des kilis, qui existaient et qu'on pouvait en acheter. Donc j'étais voir à l'animalerie si on pouvait en acheter. Et le monsieur de l'animalerie m'a dit que non, il n'en vendait pas, que ça va être difficile de trouver en animalerie. Par contre, j'aurais plus de facilité à en trouver dans des clubs de poissons. Enfin, dans des clubs de poissons. C'est pas des clubs avec des poissons dedans, genre ouais, on est des poissons, on fait un club. C'est des clubs de gens qui aiment les poissons, pas forcément les manger. Genre les races de poissons qui sont passionnées par les poissons et qui échangent de ça. Comme un club d'échecs, mais c'est un club de poissons. Et apparemment, j'aurais plus de facilité d'en trouver dans des clubs de poissons. Du coup, je verrai ça plus tard. Parce que moi, les poissons, c'est pas trop ma passion, donc je vois pas trop ce que je foutrais dans un club de poissons. Ensuite, j'ai été manger japonais. C'était super bon, c'était vraiment conséquent, j'ai eu du mal à finir, mais c'était un régal. Je mets le lien en barre d'infos, si vous voulez voir le site internet du japonais. Il était super bon, il était pas cher, je conseille vraiment pour ceux qui sont là à Bercy Village. Ensuite, j'ai été à Maison et Découverte. Non, Maison du Monde. Non, Nature et Découverte. Putain, j'ai vraiment du monde, du mal. J'ai été à Nature et Découverte parce que je cherchais un dessus en porcelaine qui va sur une lampe à huiles essentielles. Parce que j'ai un ami qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Il m'avait offert une lampe, une petite lampe comme ça, avec le socle en bois, l'ampoule et tout le dessus, donc ça s'enlève, ça, c'est la partie en porcelaine et c'est incurvé pour mettre quelques gouttes d'essentiel à l'intérieur, sur le dessus là, et avec la chaleur de la lampe, ça se diffusait. Le problème c'est que les châles ont cassé, mais la lampe fonctionne toujours. Donc je me suis dit, si j'y vais, parce que je sais que c'était à Nature et Découverte, je vais peut-être trouver le socle, enfin le dessus. Et la nana m'a dit que c'était un ancien modèle et que du coup, il ne faisait plus les parties séparément quoi. J'ai trouvé exactement le même modèle, neuf dans sa boîte, avec les soldes en plus il y avait 20% de réduction. Mais je m'en fous, c'est pas... je veux pas deux lampes, je veux juste le dessus d'une des lampes. Donc faudrait que j'essaye de trouver sur internet, voir si je peux trouver le dessus de ce modèle là. Après ça, j'ai fait encore quelques magasins, dont Maison du Monde, cette fois-ci je me trompe pas. Et d'ailleurs c'est fou le monde qui a samedi en solde par rapport à la semaine où il n'y a personne. Et là c'est vrai que pour le coup je suis vraiment contente de pas encore avoir de CDI et d'être libre en journée, en semaine, parce que c'est vraiment un plaisir de faire les magasins, contrairement à un week-end bondé où il y a trop de gens, mais ça c'est l'horreur. Ensuite, j'ai regardé un épisode de Blacklist, une série américaine. C'est la série que je suis en train de regarder en ce moment et j'accroche bien, c'est plutôt cool. Et dimanche, à part des courses, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait des pizzas maison. La première, il n'y avait pas assez de sauce. La deuxième, j'avais plus assez de fromage, donc j'ai fini le fromage râpé que j'avais et donc il manquait du fromage râpé. Et le soir, j'ai mangé une salade et puis j'ai regardé encore des épisodes de Blacklist. Information super importante pour tout joueur de Diablo 3 qui se respecte. La saison 5 a commencé samedi, je crois, vendredi, samedi, je sais plus. Enfin, elle a commencé, j'y ai pas encore joué, du coup là je vais pouvoir m'y mettre. Et je pense que je vais stream toute la saison que je vais faire. J'ai lu les nouveautés, les informations et je pense que je vais prendre mon chasseur de démons que j'ai en normal et que je vais le remettre en saisonnier. J'ai vu qu'on pouvait faire ça
Et beaucoup diront que c'est pas du tout intéressant et que ça sert à rien. Moi ça m'intéresse plus que de faire un nouveau perso, en tout cas qu'un nouveau chasseur de démons. Ce que j'aimerais faire aussi éventuellement, ce serait une deuxième couche de peinture, voir si ça s'assombrit ou pas, parce que clairement là j'ai pas l'impression que la peinture soit super sombre. Enfin, si j'en mets une deuxième couche, je vais quand même tester, histoire de dire voilà je vais tester, mais je pense que je vais devoir acheter de la peinture noire et mélanger un peu avec la grise actuelle pour obtenir une couleur plus sombre qui corresponde au reste du plafond. Ah oui, un truc super cool qui m'est arrivé ce week-end, j'ai des nouveaux voisins qui sont venus sonner à ma porte du coup hier pour faire les présentations. Alors j'ai trouvé ça adorable, j'ai trouvé ça super sympa de leur part, et en plus ils sont jeunes, donc moi ça me fait toujours plaisir quand il y a des nouveaux jeunes qui viennent dans le bâtiment, parce que je me dis toujours ouais ça peut être des copains et tout, c'est génial. Et du coup, alors je pense que c'est un couple parce que c'est un homme et une femme, après c'est peut-être des colocs, j'en sais rien, mais je sais pas, mais en tout cas ils ont l'air super sympas, ils font une crémaillère samedi, mais samedi je ne suis pas là parce que je suis en voyage, je ne dis pas encore où, ça sera la surprise. En tout cas, ouais, ça c'était la bonne nouvelle du week-end, des nouveaux voisins qui sont venus se présenter et qui ont l'air vraiment adorables. J'ai commandé une scie sauteuse parce que j'en ai marre d'attendre mon père qui vient deux fois dans l'an et qui oublie toujours sa scie, ou alors ah bah tiens, oh bah c'est pas chargé, j'ai oublié, oh bah machin. Donc j'ai acheté une scie sauteuse, j'attends qu'elle soit livrée, évidemment. Et j'ai aussi acheté un bureau qui ira donc à ce niveau là et qui devrait loger pile poil, et ça c'est génial. Du coup après je me débarrasserai du bureau actuel que j'ai parce qu'il est trop... En fait le problème c'est que c'est un bureau d'angle, donc en fait il fait 1 mètre sur 1 mètre et il logeait pas dans le coin parce que il empêchait l'ouverture de la fenêtre, et ça c'est embêtant. Du coup j'en ai pris un plus petit, il fallait pas que ça dépasse 80 cm au niveau de la profondeur quoi. Donc là il fait 60-70, je sais plus, donc il est juste parfait. Là je vais prendre mon petit déjeuner et après je pense que je vais un petit peu glander, le temps de me réveiller pleinement. Bah oui parce que je l'ai pas dit, mais il est 8h du matin. Il est bientôt 15h et ça y est, j'ai fini le montage du vlog 91, donc le vlog de vendredi. Je le mets en ligne et après je retourne sur Diablo. J'ai oublié de le dire hier, mais je me suis acheté un casque parce que le mien il est un petit peu chiant. Donc je me suis acheté un meilleur casque. C'est un casque Hungry Bird. Je l'ai acheté parce qu'il était à 6€ en fait. Et par contre je me suis fait avoir sur un truc, c'est que c'est un casque pour Xbox. Donc il y a deux embouts, il y a l'embout côté écouteur qui est un embout normal, et il y a l'embout côté micro qui est plus petit. En fait c'est un 2.5, un 2.5, et celui-là c'est un 3.5. Donc en fait il faut que je trouve un adaptateur pour pouvoir le mettre sur mon ordinateur. Là vous vous rendez compte que la taille n'est pas la même, celui du micro est plus petit. J'ai plus internet, du coup je suis en train d'appeler Numéricable, parce que je suis chez Numéricable, et la musique elle est juste ouf, ça fait pas du tout musique d'attente quoi, c'est un truc de fou. Ceci est la musique d'attente de Numéricable. J'ai enfin eu Numéricable et en fait c'est tout le bâtiment qui n'a plus internet, ce qui veut dire que c'est un problème technique de câble je suppose. Donc ils ont fait appel à un technicien qui va venir sur les lieux pour voir le problème. Voilà, donc je n'ai plus internet jusqu'à nouvel ordre, donc je ne mettrai peut-être pas mon vlog en ligne aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon pour le moment du coup je ne peux plus jouer à Diablo, voilà. Super. Très bien. Et eh ben, je vais continuer mon ménage. J'ai peut-être passé ma deuxième couche.
Mais que ça serve à rien parce que je sais que ça va pas être aussi sombre. Mais je vais quand même passer ma deuxième couche, voilà, ça va m'occuper. Bon, au final, j'ai passé ma journée à jouer à Diablo 3. Par contre, ça m'énerve parce que depuis que j'ai lancé l'importation, internet est revenu sur les coups de, je sais pas, 15h30, peut-être, un truc dans le genre, 16h. J'ai lancé l'importation et bah, il est bloqué. Donc je pense que je vais devoir le relancer, quoi, parce que là, c'est juste pas possible. C'est bon, j'ai réussi à le faire repartir. Il est juste minuit 39. Il est 1h20 et je suis en train de monter mon vlog. Je vais finir de le monter pour le mettre en ligne et puis je vais aller me coucher parce que je suis vraiment crevée. Bon, je tourne pas la caméra parce que c'est chiant, faut que je le pose, faut que je fasse la mise au point et je peux pas trop gérer la mise au point avec, avec cet objectif là. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue. Voilà, il me reste plus qu'à mettre les figurines devant. Et c'est nickel, celle-là, elle est complète. Je sais pas encore ce que je...